Добро пожаловать в мой канал. L'université de Montpellier a annoncé la démission de Philippe Pétel, le doyen de la fac de droit. Celui-ci avait été mis en cause après que des hommes cagoulés et armés ont violemment chassé des étudiants de l'amphithéâtre de l'université dans la nuit de jeudi. Depuis vendredi, la tension était forte. Dès 9h du matin, les étudiants montpelliérains avaient commencé à se réunir devant l'université de droit à Montpellier. Leur but, demander des explications sur les événements survenus au cours de la nuit précédente au sein de l'université. Puis, au fil de la journée, de plus en plus de jeunes de toutes les universités montpelliéraines les avaient rejoints pour manifester et faire entendre leur indignation. Pétel démission, scandaillanti devant l'université de droit, dans les rues de Montpellier, et même, en fin d'après-midi, devant la préfecture de la ville. Sur ce point, ils ont finalement obtenu gain de cause. Philippe Pétel, le doyen de la fac de droit de Montpellier, a démissionné. Un communiqué de presse laconique samedi, c'est par un communiqué de presse laconique que l'université a annoncé ce départ. Le président de l'université de Montpellier a reçu hier soir la démission de Philippe Pétel de ses fonctions de doyen de la faculté de droit et de sciences politiques à compter de ce jour minuit, peut-on lire. Afin d'assurer la continuité du service public et le fonctionnement de la faculté, dans des conditions normales, Philippe Auger, président de l'université, a nommé ce matin monsieur le professeur Bruno Fabre en qualité d'administrateur provisoire de la faculté, précise le communiqué. Avec l'administrateur provisoire, le président Auger ira à la rencontre des agents et des étudiants de la faculté dès le début de la semaine prochaine, ajoute le communiqué. Des événements d'une violence extrême, tout est donc allé très vite, mais l'université n'avait pas le choix, tant l'affaire a fait grand bruit. Vendredi matin, plusieurs vidéos diffusées sur le web et des témoignages d'étudiants donnaient une première idée de ce qui s'était passé. Des hommes cagoulés habillés en noir sont entrés dans l'amphi un peu après minuit, avec des palettes de bois tranchantes et des tasers et se sont mis à taper partout et sur tout le monde, témoignait notamment une étudiante présente au moment des faits. En quelques minutes, et la quarantaine d'étudiants présents dans l'amphithéâtre pour protester contre la sélection à l'université étaient chassés par ce commando d'hommes cagoulés, et plusieurs d'entre eux étaient blessés. Au moins trois ont été emmenés à l'hôpital par les pompiers. J'ai vu une fille avec le visage en sang devant moi, racontait François, étudiant en sciences politiques, également présent au moment des faits. Le doyen accusé par les étudiants vendredi, plusieurs étudiants interrogés par le Figaro accusaient le doyen de la fac, Philippe Pétel, d'être à l'origine de ces violences. Après que les hommes cagoulés ont terminé de nous faire sortir, j'ai aperçu le doyen en leur compagnie, racontait Sophie, présente lors des affrontements. Plusieurs étudiants l'ont en effet vu avec ces hommes, confirmait François. Contacté par le Figaro, Philippe Pétel nie toute implication dans les événements. Je n'y attache aucun crédit. Un certain nombre d'excités ont pris possession de l'amphi avec pour intention de bloquer le fonctionnement de l'université. Les étudiants de la fac de droit étaient totalement opposés à ce blocage. J'ai demandé l'intervention des forces de l'ordre vers 17h pour évacuer l'université, mais le préfet ne l'a pas autorisé, expliquait-il. Selon lui, les auteurs des violences sont probablement des étudiants en droit qui n'étaient pas d'accord avec le blocage. Des enquêtes administratives et judiciaires ouvertes, le ministère de l'Enseignement supérieur avait rapidement réagi en condamnant fermement ces actes de violence. Dans un communiqué de presse, le ministère avait annoncé que Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, avait missionné l'Inspection générale de l'Administration de l'Éducation nationale et de la Recherche IGAENR afin qu'elle se rende sur place dès lundi. Sur la base des conclusions de cette enquête, Frédéric Vidal prendra l'ensemble des décisions qui s'imposent, en engageant le cas échéant, des poursuites judiciaires, a prévenu le ministère. Un peu plus tard dans la journée de vendredi, le parquet de Montpellier avait également ouvert une enquête pour « des faits de violence en réunion et avec armes ». Le président de l'université, Philippe Auger, a de son côté annoncé la fermeture de la faculté jusqu'à lundi matin et dit avoir déposé plainte contre X afin que toute la lumière soit faite sur les événements.